Est-ce qu'il faudrait pas regarder la cassette encore? La cassette, je l'ai... À mon avis, c'est un truc à faire avec la cassette, hein. Il doit y avoir un truc dans cette putain de cassette. On va retourner voir avec. Je vois que ça, là. Je comprends pas ce que j'ai pu louper. J'ai fait trois fois le tour de la zone. On va se remater la cassette. Et puis, on va voir... peut-être qu'il y a quelque chose, j'en sais rien. On commence à connaître la zone par cœur, hein. C'est bon là. Allez, on retourne dans la cassette, on verra. On va passer, évidemment on va skipper un peu plus vite. Je vois que ça. Ok, d'accord. On peut pas passer tout ça là. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux... Bon, sinon, au pire des cas, si je vois que de j'irai chercher un spoiler ou je sais pas, parce que là, tourner en rond, c'est un peu relou. C'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Ok, donc là, on y est. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Tout à l'heure, il y avait un objet là que je pouvais manipuler. Là, je reconnais pas en fait ici, c'est ça le pire. Là, c'est une zone où je suis pas allé avec le. Ah, d'accord. J'essaie de trouver l'objet là que je parlais tout à l'heure là. Ah, je suis vraiment lasse, fatiguée. Merde. Mais je peux pas y aller dans la salle d'incinération, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure en fait. C'est ce que j'essaye de faire, la salle d'incinération, je sais où elle est. Mais il y a une porte qui est fermée à clé. C'est ça que je sais pas en fait. Je suis vraiment lasse et fatiguée. Je sais où c'est, je sais ce que je dois faire là, mais je peux pas rentrer dans la salle. Il me manque un truc. C'est ça que je cherche depuis tout à l'heure en fait. Pas la salle d'incinération. Nourrir ma maison et te nourrir. Ah merde. Ah merde, je croyais qu'elle était partie quoi. Tu as été vilaine. Je pensais qu'elle était partie, la vieille. Ah, ça, c'est, la partie recherche, ça m'avait pas manqué dans les Resident Evil. Hein. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Allez, vas-y, dépêche-toi, avance, voilà, rentre dans la pièce. Ça, c'est un truc de ouf, je bloque là-dessus, quoi. Ah, j'ai essayé de forcer toutes les serrures, hein. Ouais, pas de mind game. Et même ça, ça marche pas. Merde, je devais faire quoi là déjà? Ah oui, il y avait ça. Cette maison a vu plus que tu ne peux imaginer. Ouais, c'est... Non, il y est pas là. Merde, je devais faire quoi ici déjà? Ah oui. Ouais, il y avait cet objet là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je vais attendre qu'elle s'en aille. Je sais pas c'est quoi cet objet là, mais... Voilà, me dis pas qu'elle va venir ici quand même. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan ? J'aurais pas dû lancer la cassette à mon avis, je vais être bloqué là-dedans là. Attends, je peux pas la stopper la cassette en fait. Non, à mon avis c'est pas là de toute façon. Attendez, arrêtez la lecture si vous voulez. Oui, vas-y, c'est bon, c'est pas là. De toute façon là c'est dans une zone où je suis pas allé, donc c'est forcément pas là.
J'ai la clé scorpion avec moi là. Non, je l'ai pas faux. Je vais la récupérer celle-là. Non, si, la salle d'incinération, je suis allé dedans. Il y a un truc que je peux pas ouvrir. Il y a un. Je sais pas, un container là. Ça, je peux pas l'ouvrir déjà de base. Ça, il y a un truc à faire. Et la dissection, je peux pas y aller parce qu'elle est fermée par la fameuse porte que je peux pas ouvrir depuis tout à l'heure en fait. On fait voir. Tu vois, attends, fais voir. C'est là normalement. Voilà. Là, c'est la chaufferie où on était tout à l'heure. Là, il y a la salle de dissection, tu vois. On doit y aller avec une clé. Donc il y a un truc de une clé. Non, j'ai plus de hache. Ah si, j'ai une hache ou pas? Non, je pense pas que j'ai deux haches quand même. Oh non, j'en ai plus. Je l'ai laissé je ne sais où. Donc en fait... donc il y a la fameuse salle là, que je cherche là. Elle est là. Donc tu vois, il y a un symbole de clé. Je peux pas y aller, hein. C'est là. Là, je sais où c'est et tout. C'est pas de souci. Ensuite, il y a l'atelier. Je peux pas y aller. Là, c'est la clé serpent. Je peux pas y aller. Là, c'est là où je suis. Là, je sais pas c'est quoi ce symbole là. Arte. Porte verrouillée. Petite serrure. Petite serrure. Bon bah, je retourne dans la salle de dissection. Allez, on y va. Ok, ok. Donc, direction la salle de dissection. Ah, parce que là, je sais pas, en fait. Alors, normalement, c'est par là. Donc, on va tomber. Faut tomber sur la chaufferie. C'est pas là. Et on arrive à la chaufferie. Ouais, c'est ça. Ensuite, donc là, d'accord. Voilà. Là, il y a la porte. Et derrière ça, il y a la salle de dissection. Voilà. Voilà. Et là, je peux pas l'ouvrir. Je peux pas forcer la serrure. Ah, incinération. Ok, incinération. Sur la salle d'incinération, il y a un truc que je peux pas ouvrir et je sais pas comment en fait. Ou alors je lui tire dessus au bordel. Alors attends, la salle d'incinération, elle est par là. Non, elle est pas par là, elle est dans le coin. Je vais la trouver au bout d'un moment. En fait, ici, je me perds, c'est une zone où... Non, en fait, j'étais bien. Faut que je retourne de l'autre côté. Là. Voilà, salle d'incinération, voilà. Donc là, il y a ça. Alors, là, il y a un truc que j'ai pas vu. Là, j'ai ouvert les trucs. Alors, ça serait. Moi, il n'y a que là ouais, où je pourrais. Là, il y a une main. Il y a un truc à faire avec ça, là. Attends, et là, il y a un post-it. 3, une empreinte de main. 3A. William. Alors l'empreinte de main elle est là. Un truc au sol. C'est quoi ça? Tamata. On va essayer ça. Là on peut l'ouvrir? Non. Ouais, il y a tout hein. Bon, je pensais que c'était ça, mais non. Parce qu'il y avait 3A là. Voilà, faut que je ferme tout. Sauf les deux là. Oh l'enfer. Voilà. Et là, ça s'ouvre. Oh putain, ça y est. Ah,
Ah merde. Ah, il m'a one shot, d'accord. Putain, il aura fallu le temps. Hein. Ah, jambe, c'est quoi ça? Ah, je suis pas mort? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il est en train de remettre sa jambe et tout là. C'est dégueulasse. Impossible. D'accord. Ok. Allez, B. Bon, je vais le tuer avec le shotgun, il va pas me... J'ai attendu trop longtemps, je vais pas m'amuser à le tuer au... Allez, on y retourne. Bon, bah voilà. C'était bien la salle de l'incinérateur. Oh, si on m'avait pas indiqué, j'aurais pas deviné. Hein. Ah, attends, du coup, c'est par où, là? Voilà. J'aurais pas deviné qu'il y avait des, une énigme dans les cercueils en fait. Je crois que j'aurais tourné encore longtemps en rond. Bon, lui, je vais le défoncer avec le shotgun. Hein. C'est par là. Ça me rappelle. Ah ouais, ok. Alors, on avait dit que c'était quoi? Fallait refermer ceux-là. Et là. Celui-là. Oh, lui, il va pas me saouler longtemps. Allez. Ouais, il est toujours pas mort, le bordel. Ah, il est sérieux là? Putain, je lui ai mis 3 balles de shotgun quand même. Hein. Ah bah voilà, maintenant on l'a. Ok. Bon bah c'est parti. Ah, il suffisait d'un truc. Hein. Il suffisait tellement d'un truc. Ah, j'aurais jamais deviné le truc. Hein. Bah voilà, maintenant on peut y aller. Merde. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ça? Alors des cartouches de fusil. Oh là là, attendez, on va prendre le... Est-ce qu'on prend le fusil ou pas? Ah, il y a le... C'est le flic? Ah merde. J'allais être son père. Non, on l'avait. Mais maintenant, elle dit que c'est lui qui sera son père. Non, 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 non. Je vais le trouver. On avait le truc, on avait la tête de chien. Et toi, mon pote, tu vas m'aider. Ça aurait été trop beau de trouver la troisième tête et vite de partir de la maison. Je reviens pas le temps qu'on a mis pour arriver là, quoi. Allez, c'est reparti. Nouvelle zone. Alors là, déjà, le jeu me donne plein de trucs, donc ça veut dire qu'il va y avoir un fight. Comme dans Resident Evil. Hein. Vous vous rappelez, le... avant les gros fights, il te donne plein de trucs. Voilà. J'ai envie d'aller sauvegarder en fait. Je pense que c'est une bonne idée. On n'est pas, je pense pas que je sois obligé de faire ça tout de suite. Je vais aller sauvegarder. Et on va revenir là après. Et là ça sent une salle de boss quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais vaut mieux que j'aille sauvegarder. Au moins tout ça c'est fait. Et après on y va. Je commence à connaître tellement la zone par cœur là. Moi c'est bien, ça m'a permis de vraiment de bien connaître la map.
On va prendre aussi un slot. Alors déjà, on va mettre la cassette là. Poudre à canon. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Alors, on va sauvegarder. Ok, allez, go. En fait, je reviens pas qu'on a tout à l'heure là. Le mob il nous a coupé la jambe et on l'a remis normal quoi. Putain, à chaque fois ce bruit là il me fait peur. Hein. Le bruit du truc là. On va prendre le gun déjà. Et on verra ce qui va se passer. Alors, au pire, on meurt, on a juste à refaire ça, on n'a pas à se retaper tout le chemin. Allez! Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est le policier. Le pauvre. À mon avis, il est vivant. Hein. Il est totalement vivant, le mec. Hein. Il est totalement vivant, et eux aussi à mon avis là. Ah, ça sent tellement l'arnaque là. Attendez, je vais faire le tour. Là il y a quoi? Là il y a la truc, ok. Poudre à canon. Vous sentez l'arnaque là, le piège? Le piège. Allez. Attendez, ça c'est quoi ça? Ah, c'est comme dans la démo. Bon, allez, on y va. Allez, vas-y. Il va se retourner, il va être derrière moi. Voilà. Tu ne peux pas t'échapper. Ouah, oh, il me met. What? Comment la laisse-moi? Alors, est-ce qu'il est immortel comme certains boss? Je sais pas. Ah, je l'ai raté, putain. Ouais, à mon avis, il y a un truc à faire là. Je vais arrêter de faire ça. Ponceuse. Putain, j'ai plus de place dans mon sac. Toi, tu penses pouvoir me faire mal? C'est pas bon ça. Hein. J'ai plus de place dans mon inventaire. Non, à mon avis, c'est mort. Faut pas le taper. Ah, mais du coup, je suis niqué là, non? Oula. Génial. Mais quoi ça? Si, c'est bon, je peux la prendre. Ok. Ils ok. Oh mon dieu! Je peux pas le pousser le truc là? Ok. J'ai mis un bon coup de pression là. Ah, pour le finir vite! Non, ça va.
J'ai raté un truc là. C'est quoi ça? Je crois que j'ai loupé un truc, les gars. J'aime pas ça là. Oh Luman. Ah là là, c'est chaud. Je crois que j'ai loupé mon opportunité de le tuer. Tu vas mourir. Et à un moment, je devais faire un truc et ça a pas fonctionné. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on recommence. À un moment donné, je pouvais faire clic droit, clic gauche, mais ça a rien fait du tout, quoi. On va essayer. Ouais, je suis mort là. Je suis mort. Il m'a défoncé. Bon là, du coup. Putain, il est relou à faire ça là. On va s'en taper tout le fight. Oh là là, mais vas-y. J'y arrive pas là. Ah mais il me colle. Voilà. Merde, raté. Non. Voilà. Ok. C'est bon, ça c'est fait. Là, il va aller récupérer sa truc, non? Ouais, c'est ça. Faut pas que je loupe le moment où il y a le machin, là. Ok. Génial. Parle pour toi. Voilà, ça c'est un garçon intelligent. Il va son attaque là. Ouais, il tape trois fois là. Ah, ça. Ça c'est abusé. Et j'arrive pas à l'éviter ce truc là. Hein. Ouais, il court là. Il va s'arrêter le type là. Voilà. Un, deux. Je vais te... Non, je sais pas. À l'enfer. Il le fait plus là. J'ai mangé mon micro, gars.
combat, il est vénère. Mais il commence à m'énerver là, j'arrive pas à le toucher en fait là. Wouah! Oh, le combat d'handicapé quoi. Ah ah ah! Ça y est, je pense qu'on va l'avoir là. Quoi? Ah ah ah, attendez, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini encore. Merde. Oh ah, mais il va pas mourir le bordel hein. Ouais, j'ai encore crevé là. J'ai essayé de grid. Ah, c'est pire que Dark Souls le bordel. Ah, je vais utiliser toutes mes potions là. Génial. C'est bon là. Voilà, ok, là ça va. C'est dégueulasse. Ah! Je crois que c'est bon là. Ah non, c'est pas fini. What? Ah non, il est pas mort. Ah si. Oh my god, le combat quoi. Putain, j'ai utilisé toutes mes potions quoi. Sois sympa. Évite de ressusciter. Ok, il est mort là. Je crois que c'est confirmé cette fois-ci. Les fluides chimiques. Ah, oh, c'était pas évident hein. Bien concentré là. Alors attendez. Là j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré la tête. J'ai tellement plus de potions là. Faut en récupérer en masse. Voilà, on va sortir par là. Je sais pas si j'ai oublié des trucs. Bon, moi j'ai la tête de chien. C'est la bonne nouvelle. Ok, alors attendez, parce que là, j'ai pas oublié quelque chose. Là, il y avait quoi déjà, là? Qu'est-ce que c'était là? J'ai pas été là. Enfin, j'ai été tout à l'heure, mais... Ah oui, là, il y avait ça, le pauvre. C'est vrai que j'ai loupé un... J'avais un truc là-bas, là. Il n'y a pas une potion, quelque chose là? Ou je l'ai pris peut-être? Ah non, peut-être pas. Ah! Il y avait ça, ok. Ok, ok, on a la tête de chien, on va sauvegarder. La petite sauvegarde d'après boss. Non, c'est pas par là. C'était. Ouais, c'était chaud. Hein. À un moment, je me suis dit, je fais un truc mal en fait. Quand il me demandait de cliquer à gauche et à droite. Là, il y a bien un truc qui va me tomber dessus. Voilà, je trace. Hein. Je trace vers la sauvegarde, là. Vous avez vu cette facilité à laquelle je me déplace dans la maison, là? C'est beau. Par
contre, j'ai gâché toutes mes potions. Hein. Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Vite. Ah, il y a la mémé. Ah, il y a la mémé. Vas-y, on s'en fout de la mémé. On va sauvegarder. La mémé, elle réapparaît comme ça au pif. Oh, ça y est, putain. On aura bien tourné pendant 3 heures. Hein. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la mémé, là? Rien. C'est bizarre qu'elle se déplace. Comment elle se déplace, la mémé, en fait? On sait pas. Et voilà, la troisième tête de chien. He's ok. Alors du coup, ça a fait quoi, là? Ah, on peut sortir. Ah, un crochet, très bien. Allez, ça y est, on est dehors. Alors, je vais aller voir s'il n'y a pas des trucs par là, là. Des herbes. J'avoue, la mémé, c'est le boss de fin. Ouais. En fait, c'est un porc. Attendez, je check tout là, s'il n'y a pas des potions. Là, ça change d'environnement là. Vous entendez les espèces de mobs là? Alors ça, ok, ça c'est super bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est le trou last boss là, bébé. Il y a des mobs là qui volent dans les airs là, j'entends. On peut pas y aller. Est-ce que je peux en faire des fluides? Ah, j'ai pu en faire un. Okay. Ah, attendez, c'est quoi ça? Grenade neurotoxique. Stimulant. Ok. Je vais aller voir par là-bas. Ah. En fait, y a plein de. Oh là là, attendez, non, non, on va pas aller par là tout de suite. On dirait qu'il y a des créatures qui volent là, genre des démons. Ok, ça me va ça. Ah, il y a une sauvegarde, ok. Cool. On a la sève. Il y a le coffre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un pistolet cassé. Intéressant. Peut-être qu'un kit de réparation pourrait le mettre en état. Alors ça, on va le mettre là pour le moment. Crochet, on va le garder. Ça, c'est quoi ça? Je suis tellement fou là. Je pourrais retourner dans la maison et crocheter un truc. On verra après. Hacker. Il y a le téléphone. Allez, on va fouiller la caravane. Et puis après, on verra. Je sais pas. Ah, il y a des trucs à l'intérieur. 1, 2, 3. Attends, 5. Qu'est-ce que c'est que ça? On verra après. Ah, mon corps est de plus en plus bizarre. Je serai bientôt. Nanana, d'accord. Si j'avais le sérum, je pourrais me soigner. C'est la même photo. C'est trop tard pour eux. Encore une pièce. Et il y a un gun à l'intérieur. Et il y a une cassette. Enfin, un truc avec une cassette. J'ai bien envie de prendre le stéroïde pour avoir plus de vie. Attends, c'est quoi ça? Stabiliseur. Stéroïde. C'est quoi ça? Et
Evading speed. C'est de la vitesse, ça. J'aime bien prendre plus de vie, en fait. Je vais prendre plus de vie. Ah, je sais même pas si on peut. On peut pas. 3. Ah, c'est les pièces, non? Attendez, on va essayer. On va totalement essayer de... Je sais pas si c'est les pièces. 140. Je veux le truc de vie, moi. Ah, c'est ça. Heureusement, j'ai fait le tour de la baraque. À mon avis, je les ai toutes trouvées, les bordels. Ok, génial. Ah, je suis full. Allez, on va faire un petit setup, là. On est bien. On va tout récupérer. Je crois que je peux récupérer un deuxième truc. Ah, stéroïde. Ça, ça fait plaisir déjà, on va avoir ça. Et là, ah, je peux peut-être pas le prendre. J'en ai combien là déjà? J'en ai pas assez, 4. Ah, j'en ai que 4. Et la pièce sale, alors ça sert à quoi? Parce que là, il y a un truc. Là, c'est 9. Ça se trouve, la pièce sale, on peut l'utiliser. Ah, ça compte pour une. Du coup, on va tout prendre. Ok, stabiliseur. Alors, il a dit quoi le bordel là? Alors, recharge. Voilà, je l'ai mis, c'est réduire le stress pour recharger plus vite. Alors, on prend tout ça et après on va sauvegarder. Bon, bah, on est bien déjà, on recharge plus vite, on a plus de PV et on est cool. Et on a un pistolet cassé. Clé scorpion, je vais la prendre avec moi, on sait jamais. Ok, j'ai trop de trucs là. La poudre à canon, je vais la laisser là pour le moment. Ça aussi. Voilà. On re-sauvegarde. Et il me disait d'explorer les jardins. Ouais, explorer le jardin, ok. Et là, il reste le pistolet. À 9. Il faut que j'en trouve 9. 9 petites clés. Sous ma gueule là. Alors, vas-y. J'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça va m'aider à sortir d'ici? Oui, écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil Mia. Pour Mia. Tu danses le Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ah. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Bon bah voilà. Où est-il? Si je le savais, je serais déjà partie d'ici. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part, dans la vieille maison. Donc si on le trouve, je pourrais aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison... À mon avis, c'est elle, le trou, là, The Boss. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère. Va falloir jouer les... Ils vont être après toi. Va falloir jouer les Metal Gear Solid, là. Ok, bon alors c'était quoi déjà l'histoire là? Chercher le sérum dans la maison. On va aller par là. Hein. Sinon là j'ai plus rien, j'ai plus de clé. Je pense que c'est par là. Ah oui, d'accord, ça c'est la maison, la deuxième maison qu'on voit dans la vidéo. Ok. Y'a rien, là y'a ça. Ok. Allez, on y va. Parti pour la maison bis. Oh là là. Oh là là, y'a les animaux là. Et on va commencer à voir les animaux là. Tu dis. On les a pas eu encore. Je sais pas si ça m'attaque ces merdes là.
Ah, ça me rappelle la... C'était quoi? C'était dans le 1 ou 0, là, il y avait les guêpes, là. Trop relou. Et donc, c'est là où on était avec la vidéo tout à l'heure. Ah, ça, je peux pas le tuer, ça? Non. Oh là 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 là. Ouais, c'est exactement ça. C'est pareil, c'est la rue. Combustible solide, d'accord. Ah, c'est la même chose. Ah, attendez, c'est quoi que j'ai chopé là? Combustible solide qui brûle intensément une fois allumé, inutilisable tel quel. Ok. On va pas aller là-bas. On va essayer d'allumer ça et de tuer la ruche. Ah d'accord, on est de l'autre côté là? Non, c'est la même. Elle est en haut, n'y va pas. Saloperie, va. Est-ce que je peux aller là? Non. Il doit y avoir un truc à faire. Attendez, je retourne là-bas, voir. Non, si je m'approche, c'est mort. On va essayer de retourner par là. En fait, ça mène à la même chose. Un truc, peut-être que je vais peut-être arrêter plus tôt parce qu'il y a les... j'ai des trucs à faire après. Du coup, bah là, ouais, là il y a ça. Il y a ça, il y a là ça. Quelle heure il est? En fait, je vais peut-être m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là, je pense. Je vais m'arrêter là parce que j'ai des courses qui arrivent, j'ai des trucs à faire du coup là. Enfin, pas en urgence, mais... Ok, alors demain je ferai plus de temps, mais là, je pense qu'on a bien avancé. Du coup, pour sortir de là... Alors, je vais aller sauvegarder parce que j'ai le truc. J'ai récupéré un objet. À mon avis, la clé serpent, elle est dans la baraque. Là, on aura bien avancé. Ça me paraît assez correct. Et puis, tu reprendras demain, du coup. Alors, je sais pas si le jeu est si long que ça. On verra. Sauvegarde. Et en fait, maintenant, il fait plus si peur que ça. Je suis en train de me dire, pour le moment, il y a des moments où on sursaute. Mais c'est vrai que le début était assez oppressant, mais là ça va un peu mieux. Maintenant que j'ai des armes et tout. Ah, je pense qu'on reprendra demain tranquillement. J'aurai plus rien à faire. Et puis, je sais pas à combien de pourcentage j'en suis dans le jeu. Je sais pas si on voit ça. Les stats. Il y a 3h41 de jeu. Pièces antiques, il y en a 18. Ok. Bon les gars, merci d'avoir regardé ce premier stream du coup sur Resident Evil 7. Et le jeu est très très cool. Full FPS. Donc demain on continue le jeu.